Il fait seulement ça, ça arrête pas. Quand il me pose encore, il dit que ah, c'est bon, il dit qu'il veut encore. Que tu peux venir me montrer les autres positions. Daïla. Le monde n'est pas en couille. Il y a certaines femmes, en partie, c'est seulement, elles sont prêtes. Certaines femmes ont un don spectaculaire. Nous, les femmes, là, tu, si tu me satisfais pas, t'es trompé, hein. Daïla, oh my god. C'est l'homme qui aime le sexe que la femme. D'accord. Chers internautes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous avons un nouveau numéro qu'on vous propose aujourd'hui. C'est-à-dire entre l'homme et la femme, qui aime plus le sexe? C'est le sujet d'aujourd'hui qui est là. Entre l'homme et la femme, qui aime plus le sexe? On attend vos différents avis dans les commentaires. Partagez, likez la vidéo. Invitez vos amis à vous abonner. On se dit à tout de suite. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, vous? Ça va bien, merci. Ce soir, j'ai une petite question pour toi. Selon toi, entre l'homme et la femme, qui aime plus le sexe? C'est l'homme. Pourquoi pas la femme et plus c'est l'homme? Parce qu'à chaque rapport, quelques jours, mais c'est pas son lendemain, la personne peut t'envoyer le genre, mais ça peut dire que ah, bébé est vraiment aimé. Mais est-ce que tu peux venir me montrer les autres positions? Daïla. Le monde n'est pas en couille. En fait, là, moi, selon moi seulement, c'est l'homme qui aime le sexe que la femme. Donc toi, c'est l'homme. Parce que quand tu fais un peu seulement, il te dit... Ah, il te... Depuis là, il fait seulement ça, ça arrête pas. Quand il me pose encore, tu dis que ah, c'est bon, il dit qu'il veut encore. Quel goût tu veux prendre? Point d'interrogation. Ça a tout pris, tu veux prendre encore. Et puis, sur le lendemain, même deux jours après, il t'appelle encore pour ça. Pourtant, il donne pas l'âge. Pourtant, il donne pas l'âge. Donc, c'est ce qui te fait dire que c'est l'homme. Ok, merci pour ton avis. Si on va, c'est dit au revoir. Bonsoir. Merci à vous de nous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, ce soir j'ai une petite question pour toi. Selon toi, entre l'homme et la femme, qui aime plus le sexe? On peut dire c'est la femme. Pourquoi c'est la femme? Et pourquoi pas l'homme? Bon, il y a certaines femmes. En partie, c'est seulement elles sont prêtes. Certaines femmes ont un don spectaculaire. Ah bon? Oui. Il y a certaines femmes côté sexe, elles sont prêtes. Et... Ce sont les gens de la vie. Ouais! Par rapport aux hommes. Bon, il y a des hommes aussi là. Ah ah ah. Oui, maman. La... Oui, Lili. Un castastrophe. Un castastrophe. Un quoi? Un castastrophe. Voilà, catastrophe. Ok, merci pour ton avis. Si on se dit au revoir, bonne soirée. Merci. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va super bien. Ok, c'est ça, j'ai une petite question pour vous. Selon vous, entre l'homme et la femme, qui aime plus le sexe? C'est la femme. C'est l'homme. C'est l'homme. Pourquoi l'homme? À tout moment. Hey! Pourquoi l'homme? À tout moment, il demande ou bien? À tout moment, il demande. Chai! Donc, parce qu'à tout moment, il demande que c'est l'homme qui aime plus le sexe. Et toi, pourquoi c'est la femme? C'est la femme parce que nous, les femmes, là, tu sais, si tu me satisfais pas, t'es trompé, hein? Yeah, yeah, oh my god! Voilà! Donc là, c'est la femme parce que là, je ne peux pas aller prendre un gars qui est faible et puis il va me faire quelque chose, ça ne va pas m'arranger. Moi là, quand tu, si c'est petit, c'est long, mais si tu me satisfais, ça me plaît. Ah bon? Oui. Bon, c'est ce qui te fait dire que c'est la femme qui aime plus le sexe. Ok, merci pour votre avis. Si on se dit au revoir, bonsoir. Merci. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, et vous? Ça va bien, merci. Merci. Ce soir, on a une petite question pour vous. J'aimerais savoir, entre la femme et l'homme, qui aime plus le sexe? Bon, de mon niveau, entre la femme et plus l'homme, c'est le garçon. Hein? C'est l'homme. Hein? Parce que les hommes, là, à chaque fois qu'ils passent, avec... au fait, la masse, c'est l'homme qui va vers la femme. Ah! Tu vois, non? Donc, de ce point de vue, on peut dire même c'est lui qui aime le sexe. En plus, un peu seulement les hommes, là, c'est eux seulement qui t'appellent un jour. La femme pour dire, ah bébé, j'ai envie. Mais c'est rare que tu vas entendre qu'une femme va dire à son homme que j'ai envie. Ah bon? Tu trouves, hein? Donc, de mon point de vue, je crois que c'est l'homme qui aime le sexe que la femme. D'accord. Ah, donc pour toi, c'est l'homme qui aime le sexe par rapport. Oui. Ok, merci pour ton avis. Si on se dit au revoir, bonsoir. Merci à vous demain. Bonsoir, Haché. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok, ce soir, j'ai une petite question pour vous. Entre l'homme et la femme, qui aime plus le sexe, selon vous? Bon, selon moi, c'est l'homme. C'est l'homme. Et toi? La femme. Et pourquoi la femme? Parce que la femme, elle est beaucoup chaude, je peux dire. Elle a ses envies, je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle est très, très active en fait. Petit.
elle aime plus le sexe par rapport à l'homme. Parce que l'homme, lui, il va au travail, il vient, il est fatigué. Mais souvent, la femme, elle a mais chérie, tu me manques, j'ai envie de s'amuser. Elle a tout le temps des sensations. Surtout quand ils sont seuls, elle est seule, elle a besoin d'une chaleur. Quand son mari est là, elle profite en fait. Donc, on peut dire qu'elle ne se fatigue pas. Elle se fatigue pas. Elle se fatigue pas. Au fur et à mesure, l'homme. C'est ce qui te fait dire que la femme aime plus le sexe que l'homme. Oui, c'est ce qui me fait dire ça. Ok, chérie, pourquoi tu dis que c'est l'homme qui aime plus le sexe par rapport à la femme? Bon, moi, c'est l'homme. Pourquoi dire l'homme? Parce que l'homme, bon, parfois tu es assise, bon, tu n'as pas envie de quelque chose. Tu es fatigué, puis tu fais la cuisine, tout et tout. Il va venir, ah bébé, allons se reposer un peu. Tu n'as pas accepté, il va commencer, genre, non, toujours, il t'a mis à la maison, c'est pas pour. Tu peux me satisfaire un peu, tout ça, ça devient discours. Donc, il peut dire que c'est l'homme, parce qu'eux sont toujours en train de faire les petits, chéri, les tout pour qu'on. Donc, la provocation. Voilà, la provocation surtout. Donc, c'est ça qui fait jusqu'à. On dit l'homme aime le sexe. Ah, ce qui te fait dire que l'homme aime le sexe. Ok, merci pour votre avis. On va se dire au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir, bonsoir. Merci. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Ça va bien, merci. Ce soir, j'ai une petite question pour toi. Selon toi, entre l'homme et la femme, qui aime plus le sexe? Bon, moi, je peux dire l'homme. Mais il y a les femmes aussi qui sont accro au sexe. La vérité. Par exemple, quand il y a les femmes, si elles sont là, elles peuvent envoyer les messages à l'aide chérie. Ah, il y a envie de te voir. Il y a envie de toi, les autres. Mais il y a l'homme aussi aime le sexe par rapport à la femme. Ah bon? Oui? Qu'est-ce qui te fait? Oui, ben ils sont tout en train de dire que ah bébé, il y a envie de toi, on peut se voir. Comme hey! C'est eux qui sont. Comme tu vois pas qu'il y a des filles, des jeunes, ce sont les filles qui sont accro au sexe parce que un peu seulement, elles vont aller, c'est bon. Si elles ont envie, elles vont aller, un peu seulement, elles vont aller. C'est surtout celles qui n'ont pas de gala. Tu vois pas que ce sont les filles? Non. Ils voient que c'est les garçons. Hein. Tu vois que c'est les garçons. Ok, merci pour ton avis. On va se dire au revoir bientôt. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Ce soir, il y a une petite question pour toi. Selon toi, entre la femme et l'homme, qui aime plus le sexe? Bon, moi, je vais dire l'homme. Et pourquoi l'homme? Parce que c'est toujours eux qui demandent. On est trop fait. Ah bon, la femme ne demande pas? Non, moi, la femme, elle peut passer un long moment sans faire que ça va lui dire quelque chose. Ah bon? À part si elle est nymphomane. Ah bon, oui. Mais de nos jours, il y a des femmes qui sont accro au sexe. Mais sans les femmes nymphomanes, c'est que pas de les nymphomanes. Ok, merci pour ton avis. C'est censé dire au revoir. Bonsoir. Merci, bonsoir. Nous sommes au terme de notre émission. J'espère que vous avez aimé l'émission. Vous avez aimé, vous avez aimé. Voilà, vous avez aimé les différents avis. Vous avez aimé les sujets. Donc, si vous avez d'autres sujets, encore, n'hésitez surtout pas à nous proposer. On se dit à bientôt.